slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online, donc le gameplay sera tout simplement une petite partie d'un affrontement avec des abonnés. Donc je les remercie tous un par un, donc il y avait vraiment pas mal de monde. On va se faire un gros délire avec une Mini Cooper et un Liberator. Donc j'espère que le gameplay vous plaira. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est le contenu de la vidéo et ce que je vais dire. Donc vous avez pu le voir dans le titre et je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc le lien sera dans la description et en annotation. Donc Rockstar a tout simplement prévu de réaliser une maintenance le lundi 29 septembre entre 15h et 16h heure française, donc qui fait à peu près entre 9h et 10h heure aux États-Unis. Alors je vous mettrai le lien où ils ont dit qu'il y allait y avoir cette maintenance. Donc ils ont dit qu'ils allaient faire une maintenance et que aucun des statistiques des personnages ne sera disponible, que ce soit sur Xbox 360 ou même PS3. Donc on peut s'attendre à énormément de choses de leur part. Donc peut-être une vague de bannissement, peut-être rien du tout. Mais moi je vais dire ce que j'en pense, et après bah, vous pourrez me donner vos avis dans l'espace commentaire. Après moi je vous mets au courant pour éviter que qu'il y ait des malentendus, comme ça vous êtes vraiment sûr d'être à l'actu, on va dire entre guillemets. Alors sur sur le lien que je vous mettrai dans la description, ils ont tout simplement stipulé qu'ils allaient réaliser une maintenance pour les stats des personnages ce lundi, c'est-à-dire que tous les stats ne seront pas disponibles, que ce soit directement sur la Xbox 360 et la PS3, que sur le site de Rockstar Social Club. Alors à ce moment-là, on peut s'attendre à énormément de choses de leur part. Alors pourquoi pas une vague de bannissement? Parce que si ils se mettent à regarder les statistiques de tout le monde, franchement, je vais vous le dire, c'est pas pour rien. Ils vont pas se casser le cul pendant une heure, entre guillemets, à regarder à peu près tous les stats des joueurs juste pour voir si tout va bien, etc. Je pense plus qu'ils vont réaliser une vague de bannissement, comme vous avez pu le voir déjà. Moi, ils m'ont ils m'ont pas rétrogradé, mais ils m'ont mis en mode tricheur. Alors pour ça sera peut-être une vague pour que les gens aient le bonnet d'âne, qu'ils soient dans des sessions tricheurs comme moi, ou alors ce sera tout simplement des bannissements en fonction de ce que vous avez fait. Personnellement, moi j'ai eu de la chance d'être dans une session tricheur, mais des personnes peuvent se retrouver aussi bannies. Donc j'ai reçu pas mal de messages de mes abonnés disant qu'ils avaient eux aussi reçu le bonnet d'âne et qu'ils étaient dans des sessions tricheurs, leur argent avait tout simplement été retiré. Alors cela vient des glitches, des lobbies, je pense que Rockstar s'en fout littéralement. Mais après c'est vraiment très dur d'accepter un petit bannissement, surtout quand vous avez sûrement réalisé tout, que vous avez gagné tout votre argent sur des courses par exemple. S'ils voient que vous en avez trop, dans tous les cas ils se casseront même pas le cul à chercher et à comprendre, ils retireront tout. Tout simplement. Alors ce que je vous conseille de faire, moi, c'est durant ce week-end, essayer de dépenser vraiment un maximum d'argent. Donc essayez d'en garder un minimum pour que pour pas que vous fassiez griller non plus. Mais essayez de dépenser un minimum d'argent et ne réalisez surtout pas de glitch sur GTA V durant ce week-end, parce que la vague de bannissement arrivera vers entre 15h et 16h. Donc on sera à 16h, on sera tous au clair si on est banni ou pas. Pour tous ceux qui seraient bannis ou qui auraient des sessions tricheurs ou mauvais joueurs, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer toutes vos photos et à me dire sur Twitter et Facebook. Donc vous me dites tout à peu près ce qui s'est passé pour vous. Comme ça, je ferai peut-être une moyenne de comment ça s'est passé et ce qui s'est réalisé. Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir bien renseigné sur cette maintenance. J'espère de tout cœur que vous ne vous ferez pas bannir. Je l'espère de tout cœur que moi non plus, je vais me pas faire bannir. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu entre chat et chien, entre Rockstar et les joueurs. Donc on a une chance sur deux un peu de se faire avoir. Donc faites vraiment très attention à vous. Évitez de réaliser des glitches durant ce week-end. Et essayez de dépenser quand même un minimum d'argent. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.